La visite officielle de Sa Majesté Mohamed V dans le sud du pays ne constitue qu'un des aspects les plus récents de la souveraineté marocaine sur la Mauritanie. Ce vaste territoire d'un million de kilomètres carrés est peuplé d'un million d'habitants. Soucieuse de défendre ses propres intérêts, la France s'est empressée, au lendemain de l'indépendance, de constituer une république islamique de Mauritanie détachée de la souveraineté marocaine, sous la conduite d'un pseudo-gouvernement. Les Mauritaniens, conscients du véritable intérêt de la Mauritanie, se trouvent actuellement à Rabat ou à Dakar, ne pouvant pratiquement rentrer chez eux sous peine d'être mis en état d'arrestation. Le gouvernement leur a confié des postes importants. M. Fall Oul Omer, émir du Trarza, a été nommé ministre d'État. Une importante délégation mauritanienne ira défendre devant l'ONU la thèse marocaine. Des missions d'amitié et de bonne volonté vont partir pour l'étranger afin d'entretenir les gouvernements des différents pays du problème mauritanien. Monsieur Alal El Fassi, président du parti de l'Istiklal, parcourra l'Asie. La délégation, présidée par Monsieur Abdelkbir El Fassi, ambassadeur du Maroc en Allemagne fédérale, visitera tous les pays d'Afrique équatoriale et occidentale. Monsieur Balafrège, ancien président du Conseil, se rendra en Europe. Monsieur Abdelkhalek Torres, ministre de la Justice, se rendra en Amérique du Sud et en Amérique centrale. En 1905, M. Mohamed Hassan Ben Yaïch, actuellement chambellan de Sa Majesté le Roi, remettait au nom du souverain du Maroc leur daïr de nomination au gouverneur des provinces mauritaniennes, inquiété par une agression armée des troupes françaises. D'autres témoins vivants subsistent. Des documents diplomatiques irréfutables ont été réunis qui attestent la souveraineté marocaine sur les territoires sahariens. Le problème des frontières sur lequel le gouvernement de Sa Majesté n'a cessé de revenir depuis l'indépendance doit être réglé dans le sens de l'équité. La côte atlantique marocaine s'étend de Tanger à Saint-Louis du Sénégal. La Mauritanie tout entière fait partie intégrante du territoire marocain.